Allez, il est 9h20 et quelques, pam. On est au bord du Ouigo, quai G, Cheikh Begüd. Et on attend cet enculé qui est toujours pas là. Ah bah il est là, tiens. Wachamudo ! C'est pas là ! Va au F ! On se voit 5 minutes s'il vous plaît les mecs. Bon bah Moubzer qui se prépare là, cool cool. Qui va monter sur scène. Tiens ma force. Et c'est Soulex, il a un vocabulaire aussi rapide que l'éclair. Dans les backstage en compagnie de Joe Pesci. Non, d'une pipe, ça tu sens nombreux. Ah ben ce public là, il va bientôt connaître ce jeune homme. Une bombe atomique, le son de la famille qui retentit à Bercy. Ils sont littéralement très chauds. Paris est littéralement en Y, dirait Jean-Michel. Inoubliable pour TK et Moutzer qui accompagnent l'OVNI qui est garé en warning sur scène. Nom d'une pipe. Putain! Ah ben dans le public ça s'enjaille, mais dans les coulisses avec l'équipe d'Henri Platine et tout le reste, ça s'enjaille encore plus, Thierry Jean-Michel. C'est vraiment exceptionnel comme spectacle avec Jimmy Sachs. Je dédicace ce son à toute la zone entière et toutes les personnes qui aiment le J. Car ce son, c'est l'un de mes préférés. Et c'est aussi le préféré d'un certain Bartalucci qui a aidé mon pote aussi gros que le micro que tient Joe actuellement entre ses mains. Thierry Jean-Michel, on ne comprend pas. Ce drapeau montre le bout de son nez vraiment dans toutes les manifestations. Pour vous dire, la semaine dernière, j'étais au concert d'Elton John et il y en avait 3-4. Quand tu es gentil, on te nique. Et quand tu es méchant, on te choupe. Je cite les paroles de Jul qui résonnent avec le saxophone de Jimmy Sachs. Donnez-lui la moulaga. C'est Us l'enfoiré qui est sur scène actuellement avec Jul. Et je peux vous garantir que les flashs sont allumés par dizaines de milliers. L'équipe de Casanel m'appelle très certainement celle de Netflix, hein, sans nul doute, avec Tokyo, Helsinki, Berlin et le professeur lui-même est en train de sauter actuellement sur scène. Ça sort les canons sciés, mais je vous rassure, nous avons ici affaire à des guitares, mesdames, messieurs. Il faut être minimum entraîné ou être de la zone pour affronter la fosse dans un concert de Jul parce que ça joue des coudes. Ah bah ça joue des coudes comme jamais. Et des gars qui s'en donnent à cœur joie. Il est là la gratte. Il aime la mayonnaise. La béchamel, les crêpes monsieur, la chorba, le couscous, les merguez frites, les poulets rôtis. Ah ben je ne peux pas m'empêcher de faire le sauvage avec eux. Eh ben voilà, c'est la folie. C'est la folie très chère Thierry Jean-Michel. On ne sait plus du tout où donner de la tête. La gratte, ben, qui est toujours présent. Et bien entendu, ces sauts ne vont pas très loin. C'est bon ? Et je suis avec Zaka, qui assure les backstage. J'ai ramené quelqu'un du sud avec moi. Oh putain, la surprise ! Il ne s'y attendait pas, ces bâtards ! Mais il y a Alonso qui vient d'arriver. Alors, Thierry Jean-Michel, il faut savoir que la gratte
du haut de ses 284 kilos, connaît l'ensemble de la discographie de Jules et Pengus qui rigole. La lumière allumée, on se rend compte du bordel et l'homme seul sur scène ici arrive à les transcender. C'est incroyable. Elle est là, l'équipe d'Or et de Platine, composée bien entendu de Marteau d'Anchou, Mohan, Joe Petit, Milus, Zongo, Baby Boy, Malik ULF, supplié par Boubzer et TK, et mené très naturellement par Jules. On va monter sur scène là. Ouais, on va monter sur scène. Eh ben écoute Thierry Jean-Michel, on monte sur J'oublie tout et regarde-moi ça mon pote. Je suis sur le capot du Twingo, accompagné de Gambi et de tous les autres. En face de nous, toute la foule parisienne. Et regardez, il s'approche. Je reste seul sur la Twingo. J'en ai rien à foutre. Allez-y. Je m'en bats les couilles. Je reste avec Joe Pidgey tout seul. Ah, je reste sur la Twingo. C'est exceptionnel. Sur le toit d'une Twingo, non d'une pipe. Et voilà Gibbs qui se balade avec des du disque d'or. Il y a du disque de platine. Il y a du diamant. C'est d'or et platine, retenez bien. C'est quoi ? D'or et platine ! 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 Ils vont tout casser, non pas chez Jean-Michel Aulas cette fois, mais chez les Parisiens tout court. La vodka, elle fait masser Patella. Soulex, bang bang, il vous soutient moralement, psychologiquement, physiquement, de manière déterminante. Mais où est donc Cornica ? La réponse de... Eh ouais, Fred de Skyrock qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui veut en découdre avec Bengouz. Apparemment. Qu'est-ce qu'il y a, Fred? Alors dis-moi. Avec... Non, moi je suis juste, je viens juste constater de ces chaussures de plonge. Et où cette photo de groupe? Ouais. Elle est en chemin. Et ben voilà. Toute l'équipe est là. Ah là, il y a vraiment tout le monde. Allez, régulier sur la mise en place, les mecs. On va essayer de faire ça pam pam quoi. Vous avez pas vu du Hamid ? Tout. Il dit je suis là, il fait semblant de bosser ce connard. Bah j'ai Hamid yo ! Bah j'ai Hamid yo ! Il fait semblant de bosser lui, je te le dis. Vous avez pas vu du Hamid ? Vous avez pas vu du Hamid ? Non, désolé. Et bah on commence à 6h. Vous avez pas vu du Hamid ? Je sais pas. Mais tu devrais pas traîner là sans casque. Sans casque, ouais. Il a pas de casque non plus. Ouais, j'ai mis donc. Faut mettre le casque. Bah écoutez, j'ai trouvé intéressant de vous montrer la Twingo en question. Qui a été... voilà. Bah c'est pas que mon poids, on a été vraiment une dizaine dessus. C'est la Twingo qui va aller partout, hein, dans toutes les autres villes. Cool, go. Tu refermes les portes. Felindra, tête de tigre, allez. Régulier ça, Christian. Excellent. Paf! Là, t'as régalé toute la gare, hein, mon cri, bam quoi! Eh ben voilà!